c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est du boulot. C'est quoi ce boulot? Des valises de vêtements à transporter, il y en a 6. Oh là là, ça sent mauvais, ça. Qui c'est qui t'a branché là-dessus? C'est M. Christian, le mec du bistrot. Non mais t'es malade, toi, t'as pas vu la tête de gangster qu'il a? Tiens, ben je croyais que tu l'avais pas vu hier, toi. Si, mais enfin très vite, quoi. Ah ouais, vite, ouais. De toute façon, il n'y a rien qui prouve que c'est malhonnête. Bon. Ah ouais, on peut savoir pourquoi t'arraches les étiquettes, par exemple? J'en sais rien, mon pote. Moi, il fait peut-être du dégriffé, le mec, hein. Ah ouais, c'est sûrement ça, ouais. Dans quoi tu nous embarques, hein? À propos, il t'a parlé de Gérard? Ouais, il est plus à Paris, Gérard. Ah, tu vois, j'avais raison. Oui, bon, t'avais raison, j'avais tort, ok? Bon, on finit ce boulot et après on verra. Ouais, bah moi, je marche pas. Ah bon, on peut savoir ce que tu vas faire? Ouais. Je vais t'emprunter la guitare, puis je vais faire la manche tout seul. Ah ouais. Tu connais 3 accords, mon pauvre ami. Bah, je me servirai que de cela. Bon, tu fais gaffe à ma guitare, hein, j'y tiens. Oui, oh, hey, tu me prends pour qui? Et marche à l'ombre. Je me suis fait un punk qui avait pas oublié d'être moche, bien intellectuel en l'honnête Jean Nouvelhomme. Quand Bob a massacré le flipper, on n'avait plus une tuile en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec là me fait la peau et que je crève la gueule sur le comptoir, si la mort me fait l'apéro, un air bizarre avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots. Je lui dirais, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, quand toi tu pues. Et marche à l'ombre. Qu'est-ce qui vous prend? Ta gueule. Arrêtez, j'ai rien fait, vous êtes fous. Ta gueule, je te dis. Attention! Pas jouer ici, c'est privé. Super ta guitare. Non, soyez sympa, elle est pas à moi. Maintenant écoute, la prochaine fois qu'on te croise dans le métro, c'est pas la guitare qu'on éclate, c'est ta gueule. T'as compris? Ah. Oh. J'ai oublié de te dire au revoir. Merde, merde, merde. Oh non, pas ça, c'est con, on peut pas l'avoir sans ordonnance.